Et voilà. Et bonsoir tout le monde. Allez, on se fait une petite livraison pour la Saint-Valentin ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, j'avais envie, un petit peu tristounette d'avoir été classée en course pendant qu'on voit de cet après-midi avec Cara. D'ailleurs, c'était un super live. N'hésitez pas à aller regarder la rediff. On s'est bien amusé, même si on a perdu Mouika en route. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Il y a celui-là, là. Et coucou Mécan, comment ça va depuis tout à l'heure? Bon, allez, on va rester ici par là. On va aller en Espagne, de l'autre côté. C'est parti. Hop, bon. Moi, le temps de chargement est un peu plus long. Malheureusement. Bon, donc oui, j'ai été classée en course sur le convoi tout à l'heure. Malheureusement, je suis pas classée chez Monsieur Titan. Tournez à gauche. Oui, bah moi d'abord, c'est comme ça. Allez. Donc tu vas voir que là, mon Jules, il est beaucoup attention, plus présent. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à droite. Bien sûr, je suis prête. Je suis toujours prête, moi, Jules. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Hop. Hop. Tournez à gauche. Ah ben, elle est juste là, la remorque. Nickel. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Ah ouais, ben là, je suis modée. C'est pour ça. La carte... On y va. Oui, on y va. Allez. Donc, 1000 km. J'ai pas vérifié l'itinéraire. Ce serait bien de le faire quand même. La carte. Alors, on me fait passer par où? Bon, bah d'accord. Ouais, j'ai vu, je te remercie. Enfin, sur YouTube, je sais pas. Je savais pas que c'était toi, mais j'ai vu que j'avais eu des follow, ouais. Enfin, des nouveaux abos sur YouTube aussi. Donc, je te remercie, c'est super sympa. Ça fait plaisir. Allez, cette fois-ci, c'est bon, on y va. Hop. Tournez à droite. Ah, bah d'accord. Allez, faut avancer les gars. Tournez à gauche. On n'est pas là pour glandouiller. Tu me laisses passer? Ça passe, ouf. Et coucou mon clampin, coucou Matt. ouais, ben vu l'allure où je roule en général, j'ai toujours quand même quelques accidents. Attention. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Faut que je fasse le plein, que je fasse un petit dodo quand même sur la route. Et mon cristaux. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Voilà. Ça, c'est quand tu regardes pas la route. Tu me laisses passer? C'est sympa. Franchement, c'est tentant de le prendre à contresens, le rond-point. Sortez maintenant. Un clampin, si tu veux me rejoindre en vocal, même si tu roules pas avec moi, tu peux. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Allez. Tenez la droite. Oui, je la tiens toujours bien droite, moi. C'est pas ça le problème. Sortez maintenant. Attention. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Tenez la gauche. Oh non.
Tenez la gauche. Bah, je suis à gauche. Tu te capes, moi ? Tu veux que je fasse de plus ? Ouais, il devient bête, mon Jules. Tenez la gauche. Mais... Ouais, il est bugué. Ça y est, on parle de Jules et Botapic qui sort, hein, normal. Tenez la gauche. Eh, mais calme-toi. Mais il va pas bien. Il m'a jamais fait ça. Bonsoir. Coucou mon clampin, comment tu vas? Ça va, avec le double son, c'est un peu ah oui. Ouais. Mais ça va très bien. Je comprends. T'as vu, il y a mon Jules qui débloque. Ah ben j'ai pas... Bah je sais pas, il arrête pas de me dire tenez la gauche, tenez la gauche. Bah oui, je peux pas faire mieux moi, je suis à gauche, je suis à gauche. Ah ouais. Plus à gauche, oh, c'est bah, en contre-centre. Non, c'est... Bah oui, c'est le contresens, oui. Coucou tout le monde. Ouais, bon, alors on a fait une mission avec Kara et Moïcan cet après-midi. Et hop, punaise. Et malheureusement, bah, j'ai dépassé les 100 km/h. Aïe. Ouais, comme tu dis. Bon, bah voilà. Course. Ah, j'ai vu 103 sur le compteur, j'ai fait merde. Et je me rendais pas compte que j'allais si vite. Moi, j'étais bien. Et tu avais mis Truck Books bah, bien sûr. Pour chez Titan. Ah ouais, évidemment. Évidemment. Ouais. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que la livraison de cadeaux, là, ça marche avec les deux profils. Enfin, ça se mélange. Ce ah que bon. J'ai fait sous le profil avec Kara, ça s'est mis avec ça le profil là. Ouais. Ah, tiens, et recoucou Kara. Non, c'est pas de ta faute. Pourquoi tu dis que c'est de ta faute, Kara? Pas du tout. Ah c'est bon. La mienne, hein. C'est alors moi, je vais hein. mettre un petit lien. Je vais mettre un petit lien dans le chat. C'est pour ceux qui voudraient savoir les modes que l'on utilise. Oui. Edgy et moi, j'ai compilé sur mon petit site la liste des modes. Je n'ai pas mis de lien directement où les chercher. Voilà. Oui, il faut juste taper le nom exact sur le oui. workshop. Et... De toute façon, j'ai fait une copie d'écran avec ouais. les modes et l'ordre des modes. Donc normalement, en cherchant un tout petit peu, vous pourriez facilement vous y retrouver. Voilà, je mets le lien dans le chat. Enfin, sur le chat. Enfin bref, oui, voilà. Merci mon clampin. Ouais, dans le chat, c'est un peu... Pauvre chat, il va avoir du mal alors. Faut arrêter d'y mettre des choses comme ça dans le chat. Non, c'est pas de ta faute, Kara, qu'est-ce que tu veux? Je roule vite, hein. Ah bah oui, Edgy, elle roule vite, hein. Ça oui. Bah ouais. Voilà. Bon. On a quand même fait 3000 km avec Kara. Voilà. Plus de 3000 km. Oh, mais c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien. Oh, le camion, il a été un petit peu malmené, on va dire. Parce qu'on s'est tout tapé, hein. La purée de petits pois dans les lacets, enfin... Là, je suis au Portugal. Enfin, je sais pas si j'y suis encore, en fait. Je vais en Espagne. Ah oui. C'est là où on était hier. Oui, bah oui. Je me suis retrouvé là où j'ai quitté hier, forcément. Ah oui, les camions qui zigzaguent, oui. Ça c'est le truc pénible en... Ouais, mais ils ont pas réparé du tout, hein. Moi j'ai encore eu aujourd'hui, hein. Bah oui, mais... Enfin, il faudrait que je vérifie, mais je pense que quand on est seul, ils zigzaguent moins... Bah on va voir, hein. Que quand on est en multi. Ah oui. Ça c'est...
Mohican retourné. Ah. Ah oui, pauvre Mohican. Ah oui, bah là, je veux dire, dans la position dans laquelle il était, il pouvait pas s'en sortir. Hein. Il a oublié de tourner, Mohican. Il s'est retrouvé dans le fossé et la remorque levée, tu vois, qui touchait plus du tout terre. Oui, là, et la cabine plantée dans le fossé, quoi. Pas retourné, planté. Ah oui. Là, je vais te dire, il pouvait pas s'en sortir. Hein. Impossible. Quand t'as les roues qui touchent comme pas. Mais comme une fleur, oui. Drôle de fleur. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et l'autre là. Bah, ils ralentissent. Oh là 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 là. Bah, ils ralentissent. Là, visiblement, il y a eu un accident. Ah bah oui, effectivement, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Oh, bah, c'est encore un avion qui s'est... Il a cramé. Le camion, il est éventré cramé. Ah, il a cramé par le milieu, quoi. Ah ouais, la remorque. Le camion, il n'a rien. Oui, la remorque. Le tracteur n'a rien, mais la remorque, par contre... Oui, il a tout cramé, hein. Oh, ouais, pas sentir bon, hein. On va pas se mentir, c'est rare, mais ça peut arriver, effectivement. Dans la vraie vie, je parle. Ouais. Alors attention, parce qu'ici c'est étroit. Ah oui, là, en Espagne et Portugal. On va pas parler de la Turquie, hein. C'est encore plus étroit, je crois. C'est ah bon là. Ah bah, moi je me suis tous bouffé, hein, les péages. Hein. C'est vrai que j'ai pas encore été de ce côté-là, j'ai pas encore été. Et puis ils sont mauvais, hein, Cara, hein, les amendes, ça pleut. Hein. Si tu roules sur la voie d'urgence, tu te prends une amende. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Ah oui, la Turquie, plaisante pas eux. Hein. On a vu un camion aussi, sa couleur c'était corail. C'est quoi ça comme ça. Couleur? Eh ben c'est entre le rouge, l'orange et le rose, tu vois, c'est... Eh oui. Corail. Ah oui, c'est un espèce de rouge, ouais d'accord, ok. Rouge un peu orangé. Ouais, c'est pas très très beau, quoi, c'est pas... sur un camion, c'est pas très beau, quoi. Sur un pull, à la limite, je veux bien. Sur un camion. Ouais. Bah bon. Les goûts, les couleurs, hein. C'est ça, hein. On peut pas en dire... Voilà. Hein, mais c'est vrai que vous trouvez ça moche, oui. Ah, Cardium qui resalue Botapic. Ah. C'est gentil. C'est gentil pour Botapic. Jules, ça va Jules, tu dis plus rien. Il ne te dit plus de te mettre à gauche? Non, bah, il me l'a dit quand même plusieurs fois tout à l'heure, c'est trop bizarre. Je sais pas ce qu'il a eu, je sais pas, un petit bug. Il était content peut-être d'entendre sa voix parce que cet après-midi je lui avais bien diminué le son. Oui, il est là, Botapic. En tout cas, moi, Matt, j'ai vu les photos que t'as fait sur ta Nézi. Belle génération, quand même. Hein. Ah, quand tu vois ça, tu me dis quand même. Mojang, il nous gâte. Hein. Spawner à perroquet, une génération tout à l'heure. Oui, d'accord. Spawner de perroquet, oui. Ouais, spawner à perroquet. Ah pas, oui, hein. Et la génération là. Ah oui. Ah, t'avais vu ça? C'est beau. Oulala. Tenez la droite, puis sortez à droite. Oui, on va sortir, Julie, y a pas de problème. T'inquiète. Oui. Ah, oui. On va faire un petit dodo. Sortez à droite. Ouais, il va falloir que je fasse un petit dodo, puis que je vais refaire le plein quand même. Ça me rassurera. Ah oui, là c'est quand même un peu. Bah oui, effectivement. Ouais.
Hop. Oh là là, dis donc comment elle baille. Comme une cochonne. Allez. Il y avait de la magie dans l'air, ouais. Bah fais attention quand même, hein, parce que la magie sur Tanezi... Ne pas toucher. Ne pas toucher. Ils ont pris toute la place, dis donc. Eh, moi je me mets là. Hop. Oh, deux tracteurs. Oh là là. T'as vu ça? Allez, un petit dodo. Et hop, on va rouler de nuit. Tu sais pas te garer? Pourquoi tu dis ça, Kara? Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ah, tu me rassures, Jules. Ça va, tu es là. Tu suis. C'est bien. Tiens, mon clampin. Tu peux faire un petit saut Caradiams? Ouf. Ah ouais, ça marche. Bah oui, hein. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Mais oui, je respecte. Tout va bien, bien. C'est parfait. Hop. Bon, ton repas gratuit, du coup, mon clampin. C'était bon? Ah, c'était bon. C'était très bon. Oh, mais qu'est... tu peux pas ralentir? Oh là là là. Quand même. Des fois, j'ai l'impression qu'ils font exprès de foncer. Oui, je crois qu'ils font exprès. À ce point-là, oui. Tenez la droite, puis sortez à droite. Bah, en fait, il faut que tu la rajoutes dans ton Wizbot. Oui. Sortez à droite. Ah merde. Ah, mais on s'en fout. Réorientation. T'inquiète, je vais très bien. Ah. Oui, il te faisait ressortir. Ouais. C'était un piège. Ouais. Je suis pas tombé dans son piège. Ouais, faut que tu la rajoutes dans ton Wizbot. Tenez la droite, puis sortez à droite. Non, je sors pas. Tu m'auras pas. Oh, il va pas être content. Sortez à droite. Oh là là, il va pas être content. Recalcule. C'est ça, recalcule. Bah moi, le gamin, ce matin, enfin à midi, il était mal luné. C'est un vrai bonheur. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah là là. Non, je sors sortez pas. Sortez à droite. Quoi faire? Recherche d'un nouvel itinéraire. C'est ça, oui. Cherche. Pour l'instant, tu diras moins de bêtises.
Ça va, ça bosse. C'est bien les chauffeurs, c'est bien. Ah, ça m'a fait bizarre de rouler avec le camion de mon ancien profil. Enfin, c'est un plus petit camion, hein. Ça reste un Volvo, mais un petit. Ah. Qu'est-ce que t'as fait ce soir, du coup, Kara? Voilà, j'ai envoyé un Kara. Le petit code à rajouter, ah, pour super. Faire la petite commande. Merci mon clapin. J'ai envoyé en privé sur Twitch et en privé sur Discord. On va comme ça. Comme ça, elle peut pas se louper. Côte de porc avec des pâtes à la sauce tomate. Elle a un pack. Non, moi ce soir non, c'était mais salade. Donc moi aujourd'hui, c'était tout simplement un gros apéritif. Puis il y avait des plats, on choisissait chacun ce qu'il voulait. Oh bah dis donc. Il y avait trois plats différents. Et ben. Mais tous des plats chinois en fait. Ah d'accord, c'est asiatique. Parce que comme on fait le bois minéral, c'est beaucoup plus simple la cuisine asiatique avec l'accompagnement boisson avec sans alcool, c'est beaucoup plus simple à. Donc voilà. D'accord. Mais malheureusement, je n'ai pas pu ramener de reste. Ah. Donc, je n'ai pas de repas gratuit demain. Parce qu'on a tout bouffé. Oh, bah écoute. Faut dire que c'était tellement bon. Ben voilà. Tenez la droite. Ouais. Ah bah oui, quand c'est bon, forcément. Je suis pas sûr que j'étais obligé de sortir. Mais... Tenez la droite, non, puis sortez à droite. Ah, tant pis, je me suis fait eu. Sortez à droite. Ouais. Là, tu pouvais aller tout proche. Ah non. Au rond-point, voilà, prenez la troisième sortie. Bien, et puis c'est bon. C'est pas grave, de temps en temps il est content comme ça, Jules. Il oui. Se sert à quelque chose au moins. Pour une fois, je le dis. Mais il y a un truc qui me. C'est quoi le Sortez machin bleu que t'as en bas de ton. Oh, je sais plus ce que j'ai mis. Préparez-vous à tourner que je suis allé rajouter encore comme connerie. Ah, d'accord. Mais moi aussi, ça me travaille, hein, je cherche pas. Tournez à droite. Là encore ouais, dis donc. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ah, c'est bien la nuit, c'est tranquille. Et en plus, il pleut pas. Enfin. Oui, ça, pour qu'il y ait une nuit sans pluie, moi, sur mon profil, ça commence à devenir difficile. Ah ouais? Ah oui. Non, mais nous, c'était abusé aujourd'hui, quoi. La pluie qu'on a eue, puis la purée de pois, surtout. Oh, on est parti dans des glissades. Trop drôle. Ah, surtout pour le garagiste, quoi. Il a dû être content quand j'ai amené mon camion réparé. Hein. Tenez la droite, puis sortez à droite. C'est le dé, je sors. Sortez à droite. Ouais, bah moi la barrière, je me la suis mangée de pleine face. Hein. Ah oui, là, ça porte pas. Oh vache. Là, ça porte. Ah bah je suis parti en glissage, j'arrivais plus à tourner. Enfin, je maîtrisais plus rien. Ah oui là l'eau, ouais, à un moment donné. Ah merde. Bah oui je le vois et au lieu d'accélérer ou de freiner, j'y vais. Un petit accident. Ouais. Allez tout droit. C'est rien, c'est pas bien grave. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Là.
Oui, toi, t'as glissé Allez contre. tout droit. Tu t'es laissé guider, quoi. Ouais. Tenez la droite. Ouais. Tu parles pour rien dire, Jules, non? Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oh, les amendes, elles étaient salées. Hein. Sur la route pour la Turquie, vache. Oh, plus de 1000 euros, hein. 1600, un truc comme ça. Hein. Ah oui, c'est... Ça fait mal, hein. Ça fait mal, oui. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ça fait très mal. Tenez la droite. Sortez maintenant. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ça a l'air, ouais. Bah ouais, c'est payé comme ça, les mecs, hein. Bah ouais, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Le contrôle, ouais. Moi j'ai passé. Je me suis pas pesé quand il me demandait. Hein. Je me suis Allez, barré vite droit. Fait. J'ai dit non, je pèserai pas. Non, mais c'est vrai, il y en a marre de se faire peser tout le temps, quoi. Ça va. Et coucou Oya. Comment vas-tu? Coucou Oya. Pas besoin de dodo, pas besoin d'essence, tout va bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tenez la droite. Oh. Bon, du coup, tu as vu le petit résumé de notre mission hier, Clampin est sorti aujourd'hui. Si tu veux ah aller non, voir. J'ai pas encore eu le temps ce là. Que ça donne du coup. Et re-coucou Carcosian. Et re-mon Carco de doux. Tu sais que hier, quand je rien qu'en montant les vidéos, j'étais morte de rire. Quoi. Bah moi, j'ai pas encore commencé le Allez montage tout de droit. La mienne, donc je ferai ça demain. En espérant ne pas être trop dérangé. Ouais. Bon, demain, je montrerai le... petit résumé de la mission du jour. Ah, on a quand même eu des petits passages sympathiques. Kara aussi aime bien semer des voitures derrière elle. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Allez. Oh, ça va. 533 km, il reste, ça va. Ah oui. Ah, on a déjà fait 3000 bornes aujourd'hui, donc bon. Tu vois, on est en Espagne, j'ai pas trop de frise. Hein. J'ai l'impression que c'est les convois. Oui, c'est gourmand, hein, les convois. C'est gourmand. Hein, donc... Oh, tantôt, ce matin, avant de partir, j'ai regardé deux, trois petites choses. Et l'une des choses que je me suis dit, c'est... Mais ça fait longtemps que j'ai plus fait du City Skylines aussi. Ouais. Et je commence à me dire que ça me manque un petit peu. Ah ben alors,
Ça t'attend. Fais-en. Fais-toi en live. Ben oui. On va peut-être repartir sur une map vierge. Qui a eu des nouveaux modes, etc. Donc j'ai peur que l'ancienne. Que l'ancienne map, ça ne passe pas. Donc voilà. Ben ouais, fais ça, fais du City Skyline en live. Que voilà. Bonne petite idée. Mais c'est vrai que l'idéal pour les convois, c'est que ça soit hébergé sur un serveur externe. Hein. Ça serait mieux plutôt que... Ça, ce serait l'idéal. Ouais. Mais c'est une autre infrastructure derrière. Hein. Ben ouais. C'est... Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à droite. Alors. Tournez à droite. Oui, droite. Hop. Salut. On a croisé personne dans les rues, c'est normal à 1h du matin. Finalement, je vais plus beaucoup rouler dans les pays du Nord, hein. Suède, Norvège, tout ça. Faudrait que j'y aille plus. Ah, on peut la semaine prochaine. Faudrait que j'y aille plus. Ouais. Faire un petit tour là-bas aussi, hein. On fait un petit voyage rapide et puis on explore. Si je pouvais ne pas faire de dodo ou avoir des dégâts de 100% sur mon camion, tu vois, ça serait bien aussi. Ah bah oui. C'est pour ça que je te propose d'aller devant la prochaine fois. Comme ça, tu pourras m'envoyer tes petites voitures. Dans... Ah oui. Moi aussi, je te ferai des cadeaux. Oui, c'est joli le. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ouais, j'ai déjà roulé. C'est sympa, ouais. J'ai un peu plus roulé que G là-bas. Et... Sortez dans le jeu, maintenant. Je veux dire. Et oui, c'est vraiment joli. Mais par contre, pour trouver des pompes à essence... Ouais, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est des routes un peu plus... Prenez la première sortie. Campagnarde, on va dire. Bah, t'as beaucoup de lacets, et... Ouais. Tenez la droite. C'est beaucoup dans des tunnels. Donc c'est... bien... Plus isolé, ouais, aussi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. L'Angleterre, j'ai pas fait attention si, si on Oh, l'Angleterre, moi j'y vais pas parce qu'il faut rouler à gauche, mais c'est juste parce que, voilà. Mais c'est une question d'habitude, hein. C'est ça. C'est rigolo aussi, hein. Bah, franchement, moi, comme je t'ai dit, rouler à gauche dans mon camion avec le volant à gauche, ça me gêne moins que que les volants à droite. À droite ? Ouais. J'avais essayé... Ah, t'avais essayé ? J'avais essayé... Bah oui, au début, quand t'as pas ton camion. Ah oui. Ah ben, du coup, tu te retrouves avec le camion anglais quoi. Ben, je sais pas. Ça, je trouve ça vraiment perturbant. Pas...
J'ai pas testé ça. Bah, il faudrait que je teste. Des cadeaux sur la route demandés. Ils aiment souvent des voitures. Ouais, ouais, bah ouais. Comme clampin. Je fais ça, moi. Non, on fait pas ça, Caradium. Non, 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 on fait pas ça. Un autre que moi, en revenant chez mes parents, là, ce soir, j'ai failli avoir un accident par un connard qui s'est rabattu trop vite. Hein. Oui, bah... Heureusement que j'ai freiné. Heureusement que j'ai freiné. Tenez hein. La droite, sinon, je rentrais dedans. Puis sortez à droite. Non, je sors pas. Non, je suis... Sortez à droite. Non. Assiste pas, hein. C'est pénible de t'entendre assister. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Oui, j'ai testé les doubles remorques. Ouais. Alors, le parkage en arrière, non. Mais rouler avec des doubles Alors, remorques. Alors, moi, j'ai testé la double remorque. Et j'ai même testé l'enroulage autour d'un poteau avec la double remorque. C'est très rigolo. Ah oui, et ça marche très bien. Oui. Très difficile de s'en sortir quand même. Hein. Une fois que t'as enroulé autour du poteau. Ah ben pour te dépatouiller ça tout seul, non, non. Et triple remorque aussi sur ATS. Ah oui, les triples remorques sur ATS, ça c'est rigolo aussi. Ça c'est sympa, ouais. Mais après, le parquement par l'arrière, oui, ils ont des triples remorques sur ATS. Ouais, t'as des triples remorques. Ça, c'est... Tenez la droite, puis sortez à droite. Mais en Australie, en vrai... Ils ont carrément des longs trains comme ça. Sortez à droite. De 5-6 remorques, si pas plus. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Ça fait impressionnant. Hein. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Bon, on n'a pas l'Australie dans ATS ou ATS, mais dans le vrai, ça c'est... Bah, je crois qu'en France, en Belgique, nos routes sont pas du tout adaptées à ce genre de ces longueurs, parce que c'est et dans les entreprises, c'est pas prévu non plus. Donc, tenez la gauche. Non, chez nous, c'est juste une remorque, mais voilà, t'as pas la place pour faire les manœuvres, pour faire ça, non, c'est pas possible. Contre en Australie ou aux États-Unis, c'est prévu. Dans certains endroits, c'est vraiment prévu. Donc, c'est plus facile à utiliser. Ouais, ils appellent ça des trains roulants. Hein. C'est impressionnant. J'ai vu un reportage, je crois que c'est. Sur ce... Pardon, ma fille qui vient me faire un câlin pendant que je roule. Ah, le câlin pendant qu'on roule. Ça l'éclate. Hein. Elle est contente, elle. Hein. Elle est partie en rigolant. Là. Va voir ton oasis. Oui, tout est surdimensionné. Mais... Oui, bah ouais. Mais c'est prévu chez eux. Voilà, c'est comme ça. Tenez la droite, puis sortez à droite. Non, je sais. Ah si, je vais peut-être sortir quand même, faire un petit dodo. Ah si. Sortez raison, à droite. Tu vois, je t'obéis. Enfin, je t'obéis, je t'écoute. Ça se trouve, de temps en temps, il a des conversations avec ses autres potes GPS. Et puis... Oui, alors moi, elle n'est pas possible, elle m'écoute jamais. Où c'est qu'on se gare là-bas. Hop. Hop, hop. Ah. Positionner la souris un petit peu.
Hop, j'ai le poignet. Allez, c'est parti. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ça commence tôt, hein, Jules, quand même. À 92 ans. Ouais, va pas trop bien, vite quand même. Quoi, chute? Tu dis chute à Jules peut-être? Si c'est ça, oui, d'accord. T'as le droit. Tenez la droite, puis sortez à non. droite. Non, alors là, non. Désolé, Jules, non. Je sortirai pas. Non. Sortez à droite. Non. Ce qu'il va dire. Recalcule. C'est ça. Bosse un peu. Fenêtre de la musique m'a pas fait de blague ce soir, c'est bien. Ah oui. On va essayer de se sauver. Tenez la gauche. Ah bon ? Bon, c'est vrai qu'on voit pas de zigzag, hein, du coup, ce soir. Ah, les voitures marron dégueulasses. Oh. Celles-là, elles sont laides, hein. C'est vraiment genre, ils avaient plus d'idées. Ils ont mis ça pour dire de mettre quelque chose, quoi. Et cette couleur est vraiment laide. Je suis quand même à 95. Eh oh. C'est qui Petra déjà, on ne rappelle plus.
Du coup, demain, je suis incapable de vous dire si je streamerai l'après-midi ou le soir. Pour l'instant, difficile de le dire. Je verrai demain. Bon, oui. T'as pas encore mis ton planning de la semaine, Kara? Est-ce que tu vas en avoir un déjà? Est-ce que tu sais comment tu vas streamer cette semaine? Tu sais pas encore. J'entends mon mari qui rage sur son PC. Il s'est trouvé un petit un vieux RPG de SNES. Oula, mon dieu. Bah, il a l'émulateur, enfin il a tous les émulateurs de toutes les consoles, donc bah, il s'amuse quoi. Ok. Oui, hein. Tenez la gauche. Le camion jaune, il va pas regarder dans ses rétro, hein. Non, du tout. Moi, je l'ai vu arriver, je me suis dit, oulala, lui, j'aime pas ça. Tenez la gauche. Je suis à gauche, c'est bon, tu te calmes. Tu me parles autrement. D'abord, c'est vrai, de temps en temps, un petit s'il te plaît, quoi, tu vois. Ça pourrait faire plaisir. Tenez la droite. Ah non, ça, les GPS, ils connaissent pas, le s'il te plaît. Non, non, ça, ils connaissent pas. Parce que mon père, tantôt, pour aller chez ma soeur, sortez, on a quand même mis le GPS. Hein. Ouais. Bah, c'est la même intonation hein, que... Ah oui. Bah oui. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Donc, ils sont vraiment bien inspirés. Ah oui, mais tout à fait. Pour cela. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tenez la gauche. Ça va bien, ouais. Ah là là là. Hop, punaise. Je regarde pas du tout où je vais. Heureusement, il n'y avait personne. Oui.
tenez la gauche. Ouais. Ce que je sais, c'est que le matin, je vais profiter. Il n'y a pas de réveil qui va sonner cette semaine, donc... Si je peux traîner au lit, je traîne. Oh, profites-en bien, oui. Ah, punaise, oui. Surtout quand tu vois le froid qu'il fait, là. Ce matin, que je suis allée dehors pour aller à la boîte aux lettres, la vache. Comment il faisait froid. En plus, je referme ma véranda et je laisse ma chaussure dehors. ma croque, c'est barré de mon pied, quoi, tu vois. Ah oui. Je pense que ça va pas bien, non? Avec le froid qu'il fait. Eh ben, bon appétit, Kara. Des bisous et merci pour le lurk. Tenez la droite, puis sortez à droite. Oui. Oui, monsieur. Sortez à droite. Bah ça y est, je suis sorti, tu te calmes. Merci. Comme ça, ça me ferait une livraison de cadeaux en plus. J'en serai donc à 5. C'est cool ça. Ouais. Ben, c'est cool que les profils... Oui, ça, que ça se garde, ouais. Ça s'ajoute quoi. Alors... Ouais, j'ai découvert une nouvelle ville, trop bien. C'est où ça que je vais? Au rond-point. Prenez la deuxième sortie. Ah, les ronds-points espagnols. Avec leur feu sortez au milieu. Sortez maintenant. Ah oui. Mais il est... Enfin, c'est trop bizarre. T'as les feux, tenez la ils, droite, ils se traversent tournez à droite. Au milieu. C'est trop bizarre. Là. Tournez à droite. Maintenant ah, oui. C'est ici que ça se termine. Allez. Faudrait qu'on se le tente comme ça. Ça serait bien. Mais j'ai la flemme là. Allez. Oui, c'est moche, mais j'ai la flemme. Ouais, bah écoute, hein, pas grave. Hein. C'est le soir. C'est ça. Allez. Ça rage fort, hein. Ouh là là. Ah ben voilà. Hop. Alors, on va en prendre une autre. Alors, non, la Suède, ça fait un petit peu trop loin, parce que... On pourrait pas remonter vers la France. Ouais, c'est la même chose. C'était à la 20h53. Qu'est-ce qu'on a là? Y'a pas de cadeaux ici? Ah si, mais ils sont tous là. Non. Ah zut, ils sont tous là les cadeaux. Grand chose ça, c'est une petite course, bah j'en ferai une autre alors.
Oui, à la limite, oui. Je vais faire comme ça. Hein. Tant pis, on reste en Espagne. Oui, c'est bien aussi l'Espagne. Ouais. Je serais bien remonté en France, mais bon, il veut pas. Hein. Tant pis. Il est temps de prendre la route. Bon, ouais, je reviens, ouais. J'allais me chercher un truc à bouffer. Ok. Finalement, quand je suis arrivé, je me suis dit non, j'ai pas bouffé ce soir. Mais là, j'ai un petit peu qui se fait, donc je vais me faire un petit truc à bouffer. Genre... Bah oui, quand même. Là, j'en reviens. D'accord. Elle est là. Posez-la comme ça. Ok. Il est temps d'aller travailler. Oui, on y va. Travailler. Toujours travailler. Pas voilà de retour. Oh, déjà ? Oui, parce que j'ai ma gosette, effectivement, aux pommes. Ah oui. Le problème, c'est que ça va faire des mises. Ah. Tournez à gauche. Bon, ben je vais manger à table et je reviens. Vous allez me laisser passer ou je m'incruste quand même? Moi je m'incruste quand même, hein. Ça, bah t'as piqué hein, pour répéter les bêtises de Clampin. C'est pas le dernier. Hein. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Hop. Sortez maintenant. Ouais, bah tu vois, c'est passé quand même. Hein. Ouais. Allez, go. Tenez la droite. Allez, on commence avec ces tenez la droite. Oh punaise. Ça marche pas toujours hein, de forcer. On a rien vu. Si, on a vu, mais c'est pas grave. Retour. Hein, ah bah, j'ai arrêté quoi là moi? Rien du tout. Non, rien du tout. C'est tout ce que tu manges alors, un chausson ou pomme? Ouais. Ouais, non, parce qu'avec ce que j'ai bouffé à midi. Oh. Ouais. Tenez la gauche. Je crois que j'ai pris 2 kilos là. Et comme j'étais déjà à 105, voire 107, fin janvier, et que je n'ai pas vraiment diminué non plus, donc. Ouais. J'ai de la réserve, hein, je peux. Bah oui, c'est bon, c'est sûr. Ah oh, oui, c'est... surtout ceux à la pâte feuilletée là. Vous voyez, moi, c'est ce que je préfère, moi, c'est les chaussons, pas. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais. Mon chéri, quand il va me faire plaisir, il me prend un chausson pomme. Bah, chez nous, on appelle ça des gosettes. Mais... des gosettes aux pommes.
À un moment, il y en avait aussi à la framboise. Mais j'ai trouvé beaucoup trop sucré. Je préfère vraiment aux pommes. Ben moi, j'ai plus de brioche aux pralines, hein. Parce qu'il me restait un petit morceau, je l'ai laissé à ma fille. La brioche aux pralines. Sniff. Tenez la droite, puis sortez à droite. D'accord. Sortez à droite. Ça y est. Calme-toi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ouais, mais si on respectait toujours les limitations de vitesse, on n'y arriverait pas, Jules. Faut être raisonnable. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Et non, je suis pas dans un trou. Ah non, votre appli Clay, il s'est trompé là. Ouais. Ouais non, c'est parce qu'il suit pas en fait, il veut nous faire croire allez qu'il suit, droit. Mais c'est faux. Ah d'accord. Ouais, bah. T'as pas compris son manège? Hop. D'accord. Bon, moi, la frangipane, j'en suis pas folle. Donc, personne, nous, on prend des brioches. Même quand c'est moi qui fais les galettes, je suis pas une dingue de frangipane du tout. Je trouve que c'est trop sec en fait. Paysage d'Espagne, hein, bien sec aussi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Il manque que les cactus doigts de pied, là. Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Tenez la gauche. Ouais, mais c'est comme dit Clampin, en solo, on n'a pas de zigzag. C'est vraiment quand on est en convoi. Hein. Alors pourquoi ils font ça quand on est en convoi? Comme s'il y avait besoin de nous ajouter des difficultés, si on savait pas se rentrer dedans sans eux, enfin tu vois. Hein. Bah sinon, y en a comme beaucoup font, il y en a qui retirent la circulation, quoi. Oh, c'est triste. Mais alors c'est triste, ouais. Ouais. Déjà, tu vois, j'apprécie vachement le mode qui rajoute de la circulation. Ouais. Ça va, j'ai pas besoin de sortir.
Ah ouais. Non mais c'est agréable. Bon des fois ils font des trucs chelous mais ouais. Ça rajoute de la vie à oui, ton voilà. convoi. Bah oui. C'est bien de pouvoir aller après des voitures. Bon, moi j'ai Jules, hein, après qui je râle. Ah! Tu vas faire des zigs et des zags, toi? Ah! Non. Il va pas faire ça. Tenez la droite, puis sortez à droite. D'accord. Sortez à droite. Tenez la gauche. C'est collé, collé, hein. C'est impressionnant quand même, comme j'ai beaucoup beaucoup moins de frises. J'en ai peut-être eu un ou deux ce soir, mais c'est tout. Alors aussi ce que j'ai, et je l'ai pas eu là toute seule, je l'ai eu quand on voit, c'est des fantômes sur mon écran. Genre, tu sais, en transparence, je vois un panneau qui a rien à foutre là, quoi. Tu vois, qui pop d'un seul coup devant mon pare-brise, quoi. Ou des camions aussi. Mais ça me l'a fait avec toi aussi l'autre jour. Ouais. Je disais, mais merde, qu'est-ce que c'est que ces apparitions? Je sais pas d'où ça peut venir. C'est des petits bugs qu'il y a, je pense. Hein. T'en as jamais vu, toi? Non, moi j'ai jamais eu. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Là, je me suis mis en fond musical. Des reprises de Bruce Springsteen, et là il est sur une reprise de I Will Well. Ah, ouais. Ah bah c'est pas d'accord. Mal. Hein. Ah ouais. Ouais, Bruce Springsteen a fait des reprises en live. Ok. Et parfois, il s'est bien approprié la chanson, donc c'est vraiment. Sympa. C'est sympa. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Ça y est, je suis sorti, tu te calmes. Tu veux qu'on aille faire un petit dodo, c'est ça? Eh ben allez. Ah, il va être bientôt temps, oui. Allez. Un petit dodo. Dodo, on va peut-être refaire le plein, comme ça on est tranquille. Oh, et puis on va rouler des nuits. Trop. Ouais. On est content. Ouais, mais c'est 4h du matin, donc ça devrait. On va voir le jour se lever, ouais. Se lever rapidement. Ça va être sympa. Tenez la droite. Oui. Il débloque, hein. On est dans une station, tu te calmes. Il débloque, Jules, hein. Je vais faire une petite révision, lui aussi. Allez, voilà, il manquait pas grand-chose, mais bon. Le mode pour la circulation. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Sortez maintenant.
tournez à droite. Oh, le détour pour rien, là. Oui. Préparez-vous à tourner à droite. Je sais pas si c'est un truc spécifique à voir ici, mais... Tournez à droite. Ouais, non, ça aurait été bien pour découvrir un concessionnaire, éventuellement, mais... C'est le plaisir de faire des détours. Prenez la troisième sortie. Oui, pas de problème. Sortez maintenant. Préparez-vous à tourner à droite. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tournez à droite. Ça m'essaie. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oui. Je t'ai pas entendu râler, moi, Kara. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Ah, sur mon téléphone, j'ai reçu la notification de ta vidéo à 16h44. Ah ben, dis donc. Ouais, là, j'étais sans doute chez ma sœur. Donc... Bah ouais. Déjà, là, t'as eu la notification, donc c'est bien. Ouais. Et coucou Goldarius, ben dis donc, on a beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Et on t'a jamais vu venir. C'est honteux. Alors je me suis dit peut-être qu'il s'occupe de Schlapin. Il donne de la salade à son Schlapin. Schlapin. J'ajoute les modes pour glisser. Oui, je roulais en convoi avec Kara et Mohican aujourd'hui, Goldarius, enfin cet après-midi. Et t'es pas venu. Voilà. C'est tout, hein. Et coucou, Goldarius. Oh, il y a eu deux clips ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise encore? Clampin. Ah, j'ai rien fait, je suis pas coupable. T'es innocent, c'est ça? Ah oui, là je suis totalement un innocent. Un peu déménage et passer mes nerfs sur un jeu. D'accord. T'as passé tes nerfs sur SnowRunner. On peut vraiment passer ses nerfs sur SnowRunner? Ou c'est SnowRunner qui pose ses nerfs sur toi? C'est vrai que ça oui, fait un petit, ça temps fait un petit moment qu'on n'est pas allé faire un tour. Sur ta map, ouais. S'amuser dans la gadoue. Non, mais il faudra qu'on y aille déjà, rien que pour que t'ailles chercher le super camion que Goldarius m'a débloqué. Que je sais plus attention, où c'était, mais on veuillez respecter la limitation de vitesse. C'est vrai que sur SnowRunner, on fait pas d'excès de vitesse, hein, ça... Non, c'est... On est tranquille, hein. C'est ça le problème. C'est des excès de lenteur, parfois. Oh, punaise. Ah ouais. Un escargot irait plus vite que nous, parfois. Hein. Ah bah, je pense que des fois, on pourrait les regarder passer, ouais, les escargots.
Finesse. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ah oui, c'est tout à fait un autre jeu. Ça n'a rien à voir avec TS2. 5 coupures d'internet pendant une heure. Ça m'a saoulé et j'ai loupé deux fois ma pâte à crêpes. Il n'y avait rien qui allait aujourd'hui. Ah, ça c'est énervant. Ah oui, là, effectivement, là. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Les coupures d'internet. Ah, surtout quand c'est incessant comme ça. Enfin, ouais, c'est. Voilà, c'est pénible quoi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ah, mais ça roule là, je le regarde, franchement. Je vais pas me traîner comme un escargot. On est toute droite là. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tout, voilà. Je vais pas avoir de la couleur qu'il aime fort. Donc ils enlèvent la poussière qu'il y a dessus. Donc comme ça, t'as fait des crêpes, Boldarius. Décidément. Il fait de la pizza, il m'en donne pas. Il fait des crêpes, il nous invite pas. M'a fait peur la voiture. J'ai cru qu'il me roulait dessus. Ah oui, là. Mais non. Moi, je m'en fiche. Attention, je crois que demain matin, je vais faire des bugnes. La limitation ouais, de je vitesse. Vais faire des bugnes demain matin. Des bugnes. Ouais, je vais préparer la pâte à bugnes. Puis demain après-midi, je les fais cuire. Ah, qu'est-ce qu'il mange, mon fils? T'allais dire une bêtise? Et pourquoi tu l'as pas dit? Ça, c'est impardonnable, Goldarius. C'est qu'ici, on peut dire les bêtises. D'accord. Pas dire sa bêtise ici. Tu sais qu'un jour il va falloir que ça sorte, hein, toutes ces bêtises que tu te retiens de dire. Préparez-vous à tourner à droite. Je vous mettrai une photo sur le Discord des bugnes. Parce que je vois Clampin qui. Dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tourner à droite. Je vois pas du tout, mais bon. C'est des beignets. Ah, des beignets. Ah, oui. C'est bien aussi, ça. Je fais une photo. Moi, je fais les bugnes lyonnaises. Hein. Je fais pas les bugnes d'ailleurs. Point, c'est ridicule, prenez la troisième sortie. Détour, t'aurais pu aller tout droit. Ouais, bah, apparemment, ça lui fait plaisir. Il me fait visiter, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose de sympa. Sortez maintenant. C'est rigolo, c'est parce que c'est tout neuf, parce que c'est désertique, qu'est-ce qui se passe? Prenez la première sortie. C'est vrai qu'il y a des routes bizarres hein, parfois. Sortez maintenant. Oui. Au rond-point, prenez la première mais sortie. Mais des fois, tu te dis, ah, sortez il pourrait maintenant. Rajouter la route qui passe là.
mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas rajouté? Mais je comprends que c'est compliqué hein, aussi. Ouais, bah oui. Il faut aller faire les photos sur place. C'est ça. Pour que ce soit plus ou moins. Ouais. Pour que ça soit ressemblant. Bah, mais nous, au moins, t'as bêtise sur Discord, Goldarius. Surtout si c'est drôle, quoi. On veut rigoler. Ah, c'est par rapport à ce qu'a dit Kara. Là, il en a dit un peu trop, là. Il va falloir qu'il maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oh, un camion vert pomme. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Il plairait à Calypso. Ah oui, pas forcément. En fait, de faire sauter des crêpes. D'accord. Je me doute que je parlais de faire sauter des crêpes. Bah nous, on a eu une Tenez conversation droite, très intéressante. Puis sortez à droite. Avec Kara et Moïcan aujourd'hui, c'était les culottes. Conversation de culottes. Ah bah, sortez à droite. Ah bah écoute, pourquoi pas. Non, sors pas. Réorientation. Oui, ça va passer, Jules, t'inquiète. Ah bah, t'étais pas là, Goldarius. Qu'est-ce que je te dis? T'as tout loupé. Et pourtant, t'aurais appris des choses, hein. Sur les culottes, t'aurais appris des choses. C'est déjà bien. On parlait de attention. Je vérifie la limitation de vitesse. Allez. Ah ben ok, Moïcan. Bah, des bisous en tout cas. Au rond-point. Merci d'être passé, merci pour les tes follow. Et à très bientôt. Bonne soirée. Oh, louche. Merci. Des bisous. Tenez la droite. Lingerie fine, on te dit. Tu vois, la lingerie dentelle, tout ça. Sexy. C'était une conversation très sérieuse, hein. Mais ils sont fous. Ouais, il fallait être là. Voilà.
Putain, j'ai galéré en fait tout à l'heure pour mettre la catégorie du stream de ce soir. Ah bon? Ça tournait, tu sais, je commençais à écrire Euro Truck dans la barre là. Mm-hmm. Et ça tournait. Ah bah ouais. Ouais, il fallait que je me reprenne à 3 fois. Ah ouais, quand même. Mm. Ah, mais je me rends compte que j'ai pas mis la photo que j'ai faite hier pendant notre live. Ah oui. C'est dans document. Si j'ai fait une photo, moi. Alors, Truck Simulator. Screenshot. Non, j'ai pas fait de photo hier, je crois pas. Ah, en tout cas, tu ne m'as pas dit que t'en avais fait. Non, mais je crois pas que j'en ai fait hier. Ça va, j'ai retrouvé celle que j'ai fait. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Problème là. 40, bientôt je vais y aller en marche arrière, hein, si ça continue, c'est bon. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ben oui, faut profiter hein, des salons camions. Tenez la droite, puis sortez à droite. Voilà, s'il faut que je sorte, c'est sûr. Sortez à droite. Ouais. Préparez-vous à tourner à droite. Alors, je suis prête. C'est bon, on peut y aller. Allez. Tournez à droite. Et voilà. Oui, alors, un. Voilà. Grenade voilà. Découverte. Waouh, la classe. Oh. Miam, une grenade. Mais c'est bon, les grenades. Enfin, nous y voilà. Bizarrement, dans la grenadine, il n'y a pas de grenade. Alors. Allez. On se fout pas. Toujours pareil. Qu'on puisse faire une dernière mission. Hop. Bah oui. Des pépettes. Ça fait des pépettes. Beaucoup de pépettes. Oui. Allez, on y retourne. Marché du travail. Donc je suis à Grenade. Bon, ils s'affichent quand ils veulent les images là. T'as vu, ils s'affichent pas. Ah, ça y est. Alors, bah, on va pas faire une grosse course. Hein. Calvi se fait un peu loin. Salamanque. Salamanque. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va à Salamanque.
Soyez prudent. Ah, toujours. Bon, alors allez-vous. Allez derrière. Vraiment, il était pas sur Twitch, il rageait. Il essayait de passer ses nerfs sur SnowRunner, drôle d'idée. Hein. Prêt à rouler. C'est ça. Allez, on y va. Voilà. Ah ouais, il a pas eu TS. Ouvrez, s'il vous plaît. C'est moi que v'là. Merci. À bientôt. Hop. On pourrait croire que c'est un rond-point, mais non. Allez. Zou. Préparez-vous à tourner à gauche. D'accord. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Je suis prête. Tournez à gauche. Merci. Toi, la voiture rouge, elle est gentille. Ok, Cara, des bisous. Bonne soirée. Ah non. Un jeu qui m'énerve, c'est déjà bien. Elle veut juste passer un coup de fil, mais bon. Ouais. Je croyais qu'elle partait. Parce que je regardais une chose sur l'écran, sur l'autre écran. Donc... Moi, ça énerve pas, ETS. Au contraire, c'est tout calme. C'est vrai, hein? Non, moi ça me calme, moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais regarde ça. Je pense qu'il vaut mieux que je garde mes mains où elles sont, mon tapis, hein. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Ah, je suis sorti. Voilà. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ouais, tu rigoles, hein, c'est bon. Tenez la gauche. C'est assez à gauche là, c'est bon. Mais ça serait rigolo de pouvoir discuter avec Jules quand même. Je sais qu'il te répond. Il vient finir par nous le faire. Hein. Oui, il passerait son temps à m'engueuler. Oui, tu m'écoutes jamais. Je te dis de tourner à droite, tu tombes pas. Ah ouais. Pas.
Qu'est-ce qu'il transporte, lui? Un gros rouleau. Ah ouais. Ben dis donc. Ça doit être lourd, hein. Tu as le DLC avec les convois exceptionnels? Oui. T'as déjà essayé? Oui. Comme c'est passé quand même. Ah, puis on rentre dans un tunnel, j'ai plus le droit de le doubler. Ouais, j'ai le DLC avec les convois exceptionnels. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Les cinématiques sont sympas, mais voilà quoi. Oui, c'est ça, mais bon. T'en fais un ou deux, mais. Ouais, c'est ça. T'en fais pas tout le temps, quoi. Après, faudrait qu'on essaye de voir si on peut pas s'en prendre à deux. En convoi, carrément. Je sais pas. Ça, je sais pas si tu peux, parce que c'est spécial quand même. Hein. Je vais t'avouer que je sais pas du tout. Je récompense. On regardera la prochaine fois. Ouais. Ouais, faudra qu'on regarde la prochaine fois. Il y en a un là de DLC que je voulais regarder peut-être pour me prendre, c'est le Volvo équipement. Ah, tenez oui, la droite, puis sortez à droite. Ouais. Pourquoi tu veux que je sorte, Jules? Sortez à droite. Non? Mais non, là ça sert pas à grand chose de sortir. Hein. Ça suffit les bêtises. Arrête. Recherche d'un nouvel itinéraire. C'est ça, recherche. Voilà, il a trouvé. Ouais. Faudra que je prenne un café. Tenez la gauche. T'as faire dodo. Puis sortez à gauche. Oui, j'ai faire dodo, c'est vrai. Là, c'est dodo. Oh là là. La prise de café, c'était uniquement quand on est dans le. Sortez à gauche. Sortez à gauche. Alors ça. Sortez à gauche. Pardon. Oui. Non, oui, mais oui, oui, c'est ça. Sur... Les GPS, ils sont comme ça, en vrai. Hein. Oh, oui, je veux pas le GPS. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Tantôt, on est allé, on devait aller chez ma sœur. Vous vous souvenez plus très bien de l'itinéraire exact. Donc mes parents ont mis le GPS pour y aller. Et j'ai constaté que, bon, bah d'accord, ok. Ah ouais. C'est Jules quoi. Tenez la mon droite, père, c'est Jules hein. Puis sortez ouais. À droite. Aussi bavard. Il a pas mis Simone. Ah non, sortez sinon, à droite. Je crois que sinon Armand aurait fait. Ah. Ah bah mon mari il a mis Simone. Hein. Là je comprends pas pourquoi t'es sorti. Pour faire un petit dodo. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est juste, je l'avais pas vu. C'est juste pour faire un petit dodo. Ah, il fait tout noir. Ah, oui. Ah, bah oui, là. Hop, 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 hop. Ah merde. Ah bah oui, je me suis encore mis dans une position pas possible. Bah. C'est bizarre que tu puisses pas. Non mais il y a un poteau. Ouh. C'est juste ça, hein. C'est juste le poteau. Ah, c'est juste le poteau. D'accord. Oui, oui. Attention, veuillez voilà, respecter c'est toi, hier, la qui limitation pouvait de pas vitesse. Sortir là aussi de la station d'essence. Ouais. Ça m'a bizarre. T'avais un mur quoi en fait. Ouais, j'avais comme préparé si j'avais une vitesse. Tu rigoles. Attention, veuillez respecter la limitation. Ils sont passés juste à côté hein. Si on peut plus rouler. Tournez aussi. À gauche, puis tournez à droite.
tournez à droite. Moi, après cette mission, bah, j'irai aussi faire mon petit dodo. J'irai me garer gentiment dans mon lit. Je vais arriver dans le lit, je vais faire pip, pip, pip. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah, j'imagine trop bien ça. Ouais, là, mon mari va faire quoi, hein? Sortez à droite. Ah, t'as encore joué au TS2? Non, mais oh. Ah non, on n'a pas vu ce Peaky Bot, c'est vrai, Bot Epic. Pas depuis hier. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Bah oui, il faut quand même de temps en temps qu'il se repose. Enfin, elle se repose. Ouais. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. En tout cas, j'ai vu que le paiement était passé, donc... Oui. Appuyez sur ce bouton. Voilà. Voilà. Oh là, un gros bâillement là. Ouf. On va dire. Toi aussi, tu vas faire bip, bip, bip. Ouais, je vais pas tarder. Mais... ouais, je mettrai Tip Steven en fond. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Tip ce soir aussi. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, on est derrière un petit escargot qui va pas rouler. Mais... j'arrive pas à tourner mon volant, c'est un truc de fou. Oula! Tant qu'il met à réagir. Comme ça, là. Ça, ça m'était arrivé une fois aussi parce qu'il y avait tellement de poussière sur ma souris que... Non, mais ça me l'a fait aussi l'autre fois avec toi en convoi, je pouvais rien faire. Alors ? J'arrivais pas à rester du tout mon camion. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai pas des petits lags, des trucs comme ça, je sais rien. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Eh ben allez, une ville de plus de découvertes. De la sauvegarde. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Peut-être. Des ralentissements. Enfin, ah oui, c'est possible. L'autre fois, chez avec Clampin, c'était quand même très violent. Hein. Camion qui répondait plus du tout. J'ai fait oulala. En plus, j'allais ben, comme d'habitude un petit peu vite quand même. Voilà, voilà. Sortez maintenant. Oh mais vraiment, on va rouler tout doucement comme ça. Ah bah dis donc, on n'est pas arrivé hein. On a des clients qui attendent leur culotte hein, quand même. Ah, tu as des culottes? Bah pourquoi pas, c'est peut-être de la lingerie, tu sais, de la lingerie en dentelle et tout. Des bougies, des chocolats, des bouteilles de champagne, que sais-je.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Ce serait pas plus simple de monter dans l'hélicoptère. Décoller pour livrer la marchandise. Peut-être pack bien. Découverte. Oui, un pack découverte. Allez bien sûr. Tout droit. Non, par contre, il a l'air petit l'hélicoptère. Au rond-point, oui, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Pas besoin de dodo, pas besoin d'essence, tout va bien. Allez, on va rouler. Enfin. Ah. Ah, oui, dis donc. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Hop. Comment ça, je suis dangereuse? C'est faux. Il n'y a jamais eu de mort avec moi. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Qu'est-ce qu'elle est noire là-haut, petit dos ? Moi, j'adore être en voiture la nuit. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ouais. Moi, j'aime pas trop, moi, en fait. Ouais, mon mari non plus. Quand je rentre chez mes parents et qu'il fait nuit en hiver... Sortez à droite. Je veux dire que... Ouais, j'aime pas ça. Oh. Ouais. Je trouve ça tellement calme, tellement... C'est reposant. Même en ville. Souvent, quand je prenais les cours de conduite, c'était souvent le soir. Donc c'était la nuit, quoi. Comme j'y allais après mon travail. Tu détestes conduire, Matt ? Ah non, moi j'aimais bien. J'aimais bien, sauf que... en vrai, je conduis vite aussi. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Bah, moi, avec ma voiture, je sais pas aller vite. Prenez donc, la troisième sortie. Le problème. Tenez la droite. Dès qu'elle arrive à 120 km/h, elle commence à trembler de tous les côtés. Sortez maintenant. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant.
l'entends rager, ça me fait mourir de rire. Je peux pas arriver à trouver un truc. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Bah oui, t'inquiète. Vraiment la nuit noire, hein. Oh là là, ouais. Ah, désolé, mais je mets les pleins phares. Hein. J'aime bien la nuit, mais j'aime quand même y voir un peu clair. Hein. Préparez-vous à tourner à gauche. Je suis prête. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tournez à gauche. Je vais se préparer pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Hein? Oh là! Ah ouais, mais sur le toit, dis donc. Bravo. Allez, Rekara. Et Rekara Diams. Là. Ouf. Ah ouais? Ouais, heureusement que j'ai réussi à couper, hein, mais. Oh là là. D'accord. Alors, moi ce matin, je dis tiens, allez, je vais tourner mes épisodes pour début de semaine, ça sera fait. Ah ben, pile à ce moment-là, il a fallu que j'ai une crise aussi. Alors, c'est sympa, après, au montage, alors, attends, c'est où? Que j'ai éternué comme une cochonne. Allez! Des enfants. Maintenant, c'est mes enfants qui viennent me faire un bisou quand je vais me coucher. Bon, bah là, en ce moment, c'est la vie de Patachon, hein, les gamins. Je sais pas à quelle heure il se couche, mais je sais à quelle heure il se lève. Hein. Ah, ce matin, mon fils, il s'est levé quand j'ai dit à table. Oh, du coup, il était ronchon. Voilà, monsieur, quand il se lève, il est ronchon. C'est rien qui va. Je vais te mettre au service, et puis c'est pas si chaud. Puis... Oh. Et puis j'aime pas ces patates là. Et puis après, il me fait. Mais qu'est-ce que t'as? T'es énervé? Qu'est-ce que t'as râlé? Moi? Ma fille, elle était morte de rire. Elle était même morte de rire, sérieux. Ah bah, mais bah, c'est pas maman qui râle, moi, je trouve. Bon, bah voilà, quand il se lève, j'ai de mauvais poils, faut pas l'embêter. C'est sûr qu'au petit déjeuner, boudin,
pommes dauphines là. Non, c'était des pommes duchesses. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Je comprends. S'il se lève à midi demain, ça sera poté hein, ouais, au petit déjeuner. Hein. Je pense que ça va plus lui plaire. Hein. Ça, il a qu'à se lever plus tôt. Hein, c'est puis... ça, moi je suis pour rien s'il se lève trop tard. Attends. Et comme ça, il aura un déjeuner comme il veut. C'est ça. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oui, je viens me faire un câlin, c'est pile le bon moment. Non, mais fais-moi un câlin. Voir. On rigole. Ah, t'es gentil. En plein virage. Voilà. Voilà, fais attention à pas me gêner. C'est très bien. Oh, tantôt, on a bien rigolé aussi. Il y a Sarah qui a demandé un petit peu quel était son arbre généalogique de l'autre côté. Du coup, nous, on a encore appris des trucs sur nous, sur ma grand-mère, sur nos grand-mères. Oh, c'était rigolo. Ouais. C'est toujours sympa d'apprendre des trucs comme ça, des petites anecdotes sur sa famille. Non, mais ma grand-mère paternelle. Ben, elle était. J'avais complètement zappé, ou j'ai peut-être su avant, mais. Ben, elle était aussi professeure, elle a donné cours aussi, mais d'art dramatique dans les écoles. Mm-hmm. Et à l'époque où elle enseignait, c'est-à-dire dans les années 50 et 60, c'était pas vraiment courant qu'une femme donnait cours de théâtre, chez nous en Belgique en tout cas, à l'époque, ouais, c'était pas très courant. En France aussi, hein, je pense. Bah tiens, je te le donne en mille. Mon grand-père maternel s'appelait Jules. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ah bah voilà. Ah merde. Tenez la droite. Ah, votre tapis car envoyez un, mais un. Ah ouais, ça fait deux heures, ça y est. Sortez maintenant. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. 160 km, ça va aller vite. Ouais. J'en ai aucune idée, Kara. J'ai pas connu mes grands-parents. Bah oui. Oui, le GPS de Edgy est très bavard sur notre partie commune. Oui, oui, oui. Tenez la droite. Bon, c'est pas grave, Kara, t'inquiète. Hein. Je les ai pas connus, donc. Allez tout droit. Et coucou Calypso. Oh, coucou Calypso. Comment tu vas? Comment s'est passé ton après-midi, du coup? Parce que Calypso, elle est passée quand même chez Kara cet après-midi. Ouh, truc sur la route. Allez tout droit. Je te taquine, Goldarius. Oh là 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 là. Ah, ben oui, bon, c'est vrai que quand tu te retrouves en famille, souvent... Comme j'ai plus de contact avec ma famille. Comme ça au moins.
plus de discussion. Ça, c'est fait. Un homme est persécuté ce soir, il va avoir son rôle pauvre petit homme hein, sur mon Discord si ce n'est déjà fait. C'est quoi sa famille? Pff, laisse tomber, c'est tenez un truc la qui droite, sert pas à grand chose. Puis sortez à droite. Sortez à droite. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Ça dépend. La réponse qui veut rien dire. Ça dépend pourquoi faire, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Il n'a rien compris, je crois. C'est les réponses intelligentes du bot. Et coucou ma Vigie. Et coucou Vigie. Bon ma Vigie, t'es pas encore couché? Enfin, on est peut-être avec toi dans ton lit, hein, sous la couette. C'est un peu plus de 100 km, c'est ça? Même pas. 188 km. Ouais, on est sous la couette. C'est pour ça qu'on a bien chaud. Bon, il va falloir que je fasse un dodo quand même. Je tiendrai pas jusqu'à l'arrivée là. Ah oui, ça commence à être un peu bleu. Il va y avoir un dodo quelque part. Tu bosses comment ma Vigie cette semaine? On se posait la question avec Calypso hier soir. Mais bot epic, c'est bon, on peut discuter entre nous ou non? Eh, faut pas l'encourager, hein. D'accord. Ouais, t'es en congé, en vrai congé ou t'es en réserve? Pique au lit. Oh, elle est chouette ce petit connard. Ouais. Tiens, en fait, ma Vigie, j'ai vu que t'avais essayé de te connecter sur Tanesi. Et puis que ta coup, elle a dit non. Réserve, ouais. Ça, j'ai pas fait attention si j'ai pas loupé un lit ou quelque chose. Bah, tu peux toujours regarder sur la grande map. Hein.
Ouais, bah, de toute façon, ça changera rien au fait que. Ah, que tu l'aies loupé, oui, ça c'est clair. Mais ça te pourrait te donner une idée de dans combien de temps est la prochaine. Bah, ça sera quand ce sera, hein. Parce que là, il va bientôt être rouge quand même. Hein. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ah ben ça faisait longtemps, Jules. Le soleil se lever au fond là-bas. Je vois que c'est tout rose. Pas de lit en vue, hein. Attention, 71 km. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Je vais arriver avant de retrouver un dodo. Ouais, si ça tombe, on a que le dodo qui est arrivé, quoi. Ouais. Oups, là. Ah. T'es passé près des plots, là. Bientôt, non? Non, c'est l'autoroute. Ah oui. Ah oui, c'est l'indication de l'autoroute. Ouais. Ouais. Bon plan. Tenez la droite. Puis sortez à droite. Ah oui, je crois qu'il y a une pompe. J'ai pas besoin de la pompe. Sortez à droite. Ah, c'est peut-être un garage, c'est, ça. C'est juste une pompe. Je sais pas s'il y a un garage. Ça, tenez la gauche, puis tournez à gauche. Ça, on va passer devant. Tournez à gauche. Ouais, qui essaye d'endormir. Qui essaye d'endormir pour la pique. Non, c'est juste une station. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas de dodo à côté. Ouais. Mais je vois l'arrivée en plus. Pas de dodo. Non, il n'y a pas de dodo. Préparez-vous à tourner à gauche. Fou ça. Tournez à gauche. Oui, je tourne, 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 petit moulin. Ah, ça, je connaissais pas, tiens. Tape, tape, petite main. Bon, c'est pour oula. Les enfants. Hein. Ah oui, ben j'ai pas eu cette chanson-là. Cara doit connaître, elle a dû la chanter à ses gosses. Au moment de les changer, là, sur la table à langer, j'attrapais leurs pieds et puis. Tournais les pieds. De nombreuses fois, bah tu m'étonnes. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Hein ? Elle va bien la vitesse, qu'est-ce que tu racontes, Jules ? Mais non, il n'y a pas de dodo, hein. Non, bah de toute façon, regarde, je suis à 12 préparez-vous km. À tourner à droite. Ouais, ah, mais... Tant pis, hein. Comme tu vas reprendre la route la prochaine fois, c'est une zone désertique en dodo, hein. Ouais, je sais pas. Tournez à droite. Je vais m'incruster dans une baraque, j'en sais rien. Oh,
pas de dodo. Attention, quoi? Veuillez respecter la limitation de vitesse. Le chauffeur qui me rapporte 600 euros, ça va. Attention, pas bien, non? Veuillez respecter la limitation de vitesse. Oh, et donc. Préparez-vous Salamanque. À tourner à droite. Ouais, je suis prête. Tournez à droite. C'est là? Regardez. On livre des petites culottes à des endroits bien bizarres. Oh, mais c'est quoi cet une belle balade. C'est spécial c'est quand même. Quoi cette entreprise On va faire ça vite fait. Hein. Moi, je traîne pas ici. Allez. C'est pas possible, quoi. Dans les cartons de petites culottes, il y a d'autres choses de planquées. Hein. Ou alors, elles sont dans une matière particulière, les culottes. Je ne savais pas. J'y fais des vocalises. Ah ben, ça lui arrive. Si, si. Hop. Yep. Voilà. Et ben voilà. On y est arrivé. Ah bah ben ouais. Oui, je fais des vocalises. Je suis vraiment désolée. Désolée pour vos oreilles. Excellent. Et ben voilà. Excellent, on a plein des sous-sous maintenant. Très jolie voix, bah je sais pas, je suis pas sûre qu'elle soit aussi jolie quand je fais des vocalises, mais bon, je prends le compliment, merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce soir. Moi j'ai bien roulé aujourd'hui, je crois. Hein. Ah oui, là, si t'as roulé. Eh, j'ai fait la moitié des cadeaux. Ah bah dis donc. Il va falloir que je bosse pour te rattraper, moi. Hein. Ça va, tu dois en être à quoi, à 6, toi, non? Je sais plus combien. Ah, t'en as fait quand même. Bon. En tout cas, moi je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir été là ce soir avec moi. Merci mon clampin de m'avoir accompagné en vocal. Bah, de rien. Encore merci Kara pour le convoi de cet après-midi, c'est sympa. Faudra qu'on remette ça.